Je veux que vous la pensiez avec nous. Je veux que vous releviez ces défis pour l'avenir avec nous. Je veux tout simplement que vous en soyez des leaders et non pas simplement des personnes vers lesquelles on tourne un regard en nous disant qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour elles. Je veux que cette journée, j'accède, soit la vôtre non seulement aujourd'hui, mais 365 jours par an et qu'on reconnaisse grâce à vous et grâce à l'équipe que nous formons en commun que Nice est devenue en France une ville de référence et une ville exemplaire. Merci pour tout ce que vous nous donnez. Vous voyez, la Sears Tower, le pied de la plus haute tour du monde, une des plus hautes tours du monde. Regardez les accès des gratte-ciels de Chicago vers un ascenseur. Washington, regardez, pour le congrès, vous avez une rampe en bois, même en bois, peu importe. Oui, tout le monde passe par la rampe en bois pour visiter le congrès. Parce que les conférences ont lieu au deuxième étage et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Donc l'accessibilité ne sert absolument à rien dans ce cas-là. La porte est large, hein, elle est bien la porte. Hein. Donc non, il n'y a rien à dire, hein, vraiment. Très bien. Accueil 10 sur 10 et accessibilité 10 sur 10. Oui, très bien. Moi, je suis bien d'accord. Non, parce que... Ah ben là, on ne peut pas, surtout avec deux marches côté à côté. Deux marches excessives comme ça. Et en plus, la porte est très étroite. Bon, ben on va faire le suivant. Hein? Avoir un avion, pour moi. Que mon papa revienne. Les gens fassent un petit peu plus attention les uns aux autres. J'aimerais encore skier. D'aller à 8000 mètres d'altitude. En sorte que tout le monde puisse s'y passer normalement. Tout le monde soit solidaire. Peut-être tout simplement le vivre ensemble, sans différence. Oui. Que maire, c'est que je n'ai pas un seul de mes citoyens qui reste sur le bord du chemin et qui soit laissé pour compte. Voilà. Rajeunir de 25 ans et aller en boîte de nuit. Alors un rêve inaccessible, ce serait faire de la danse. Parce qu'autrefois, j'étais une très bonne danseuse, danse classique et jazz. Et ça me manque beaucoup de plus pouvoir continuer. L'objectif de Jacques 7, c'est de montrer les difficultés qu'on a en fauteuil, donc on va partir avec certains en fauteuil. Bon. Qui sait qu'il est au-dessus de moi ? C'est pas évident, hein. Tu veux déjà avoir les mains libres. Hein. Ah oui, avec ton sac là, ça ne marchera pas. Hein. Bon, et Jacques, on va où comme ça ? Vous voyez ? Exactement les difficultés qu'on rencontre nous en fauteuil roulant. Et tu as raison, il est pentu. Tu as vu quand c'est pentu ? Tu es obligé de freiner avec la main gauche. C'est pour ça que je suis un peu tordu, moi, à force de faire le dahu. Mais il n'y a pas que des bras. C'est quoi ce truc en plein milieu de la rue, là ? Regarde. Ça, c'est un obstacle pour les déficients visuels. Parce que comme le trottoir est trop étroit, on se rapproche du mur pour
se guider avec la canne et on se prend la voiture dans le visage. Ah non, il y a déjà des trucs qui ne sont pas croisés dans les roues. Moi, l'expérience m'intéresse énormément parce que je suis proviseur de lycée et que l'accès au lycée pour les handicapés reste encore très sommaire et il y a beaucoup à faire. Cette journée m'a donné une idée. Avec Jacques, on va organiser la même manifestation avec des enfants. Il faudra bien évidemment la préparer. Je pense que c'est une façon pour l'enfant valide de voir un petit peu quelles sont les difficultés que peuvent avoir leurs camarades. C'est important que les pouvoirs publics ne reculent pas devant cette question. Il y a déjà beaucoup de retard en France pour l'accessibilité et donc c'est très important que les élus se mettent en situation. Mais bon, je pense qu'ils se souviendront pour longtemps de cette expérience et que dans les décisions qu'ils prendront, ils tiendront vraiment compte de cette question de l'accessibilité qui est indispensable pour une bonne intégration. D'autres paysages, d'autres mentalités et d'autres une autre façon de vivre. Paysages un petit peu extrêmes, de sauvages, haute montagne. J'aimerais être sur la promenade des Anglais. En Nouvelle-Zélande. J'aimerais aller aux États-Unis parce que on n'arrête pas de me dire que c'est un pays qui est extrêmement bien fait pour tout ce qui est handicap.